Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on continue notre let's play de Nioh. Allez, on est dans la région de Sekigahara. On va faire la mission secondaire 92 ici. Le corbeau silencieux. Dernièrement, il y a eu de nombreux cas de personnes disparues dans les bains, qui sont réapparues à l'état de cadavre. Chose étrange, ce n'étaient que des hommes. Apparemment, cette nouvelle a fait fuir les clients et laisse cet établissement... Tu m'étonnes. Et laisse cet établissement de bain pratiquement désert. Le propriétaire a dû penser qu'il s'agissait de yokai, car il a engagé deux mercenaires pour se charger d'eux. Et à présent, les mercenaires, eux aussi, sont portés disparus. Et c'est là que vous entrez en jeu. Je vous demande beaucoup. Je sais. Mais pouvez-vous enquêter? On va aller enquêter. Dans un pays riche en volcans comme le Japon, les sources d'eau chaude sont très nombreuses et très appréciées. Les visiteurs s'y plongent sans se soucier de leur statut social. Paysans, samouraïs, bandits et même parfois des daimyo s'y rendent pour soigner leur corps et leur esprit. Les légendes parlent même de dieux anciens qui protégeraient fidèlement les sources d'eau chaude et de yokai qui y résident parfois. Bon, on va aller voir. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces bains. Par contre, effectivement, il y a une sorte de... Il y a un truc bizarre qui sort de l'eau. Une fumée spéciale. Il faudra combien? 205 000. Verrouillé. Là, je peux pas monter ici. Là, il y a un... Je croyais qu'il y avait un yokai qui me serait sauté dessus, mais non, il est plus bas. Ouais, j'adore. Hein. Je sais pas trop ce qui s'y passe. Non, mais il y a des yokai partout, en fait. Bien cette zone. Par contre, j'ai fait le même dans il n'y a pas longtemps. Alors après, je m'y perds parce qu'en fait, dans le numéro 2, on a exactement les mêmes zones. Qui m'a vu là-bas? On va se reposer un petit peu. Un petit peu de huile, là, ça fait du bien. Et plus ça va, plus je suis en train de me dire... Je vais voir le boss final, mais je suis en train de me dire que je l'ai fait il y a carrément pas longtemps. Et en plus, étant donné le fait que je joue au jeu des longs moments... Là, il y a un piège, là. Des longs moments, et puis après, je lâche l'affaire. J'y reviens que un peu plus tard, au final. Ah, putain. Ouais, non, mais c'est exactement les mêmes pièges. Bouge. Ouais, mais non, mais je l'ai fait lui. Ah,
Normalement, je suis censé épurer ça à chaque fois et ça fonctionne pas. On va remonter. On fera la zone après, la deuxième zone. Je vais essayer de faire ça étage par étage, ça sera plus simple. J'arrive derrière. Ah, tu m'as vu. Il m'a vu. Toc. C'est bizarre, y'a personne dans un truc aussi gros. Je suis surpris. Ou alors ils sont planqués là. Putain. Ouais putain. La zone est superbe. La zone est superbe. Alors, descendez par là. Ou par là. Là, je l'ai fait normalement. Ouais. Ici aussi. Donc je peux aussi potentiellement tomber là. Si je tombe là. Et que toi, je te fais bang. Ça te calme ça, non? Alors on va essayer d'éviter de jouer au guignol. Et de tomber convenablement. Parce qu'en fait, la question est où est la zone du boss. La zone du boss, je pense que c'était la porte qu'il y avait en bas que je pouvais pas ouvrir. Et quoi là? Hey. Ça sert à rien. Si, je peux rentrer. D'accord. Attends, ils sont deux. Oh, tu me touches toi? Bah... Et alors? Pourquoi? Pourquoi tu te hits pas? Voilà. Je comprenais pas pourquoi je voulais pas... Enfin, il voulait pas me healer. Oui, reposons. C'est lui, gars. Hop. Ah. Qu'y a-t-il? Porte fermée. T'es tout seul, toi, hein? On est d'accord? On va essayer d'avancer tout doucement. Fais pas de bruit.
Hop. J'ai toute étude là maintenant. Je pense. Toi, je peux pas t'ouvrir. Passer par là très certainement. Non. Je suis venu ici ou pas? Ouais. Pourquoi je pouvais pas ouvrir? C'est bizarre. En tout cas, je vais remonter et je dois avoir toutes les tuiles là, je pense. Toi, par contre, je peux pas t'ouvrir là. Pour quelle raison? Je vais remonter, on va voir. Là, je peux pas descendre plus bas. Par contre, ça, c'est surprenant que je puisse pas descendre plus bas. Pour... Là aussi, pour quelle raison? Il y a rien. Ce que ça donne. Il faut peut-être que je descende moi ici. En remontant, en descendant là. Est-ce que je sauvegarde ça moi? J'ai 3 tuiles, ouais. Hein. Ouais. Ça sert à rien de prendre des risques. Pas toi. Allez, bouge, bouge, bouge. Aïe! Allez hop! Quoi? T'as réussi à me bloquer là? Pourquoi je te touche pas? Ah, oh, tu me touches quand même. Allez hop, une troisième, ça devrait te calmer ça aussi. Et voilà. Non, non, je l'avais pas fait, ça me dit rien, cette, ce boss-là. Épingle en carapace de tortue. Qui est enfermé? Pourtant, mais... Oh, c'est un nouveau gars? Mais c'était pas toi qui étais enfermé. Les quêtes se ressemblent quand même. Hein. Ah oui, c'est un plaisir mon vieux, mais... C'était le grand-père qui était enfermé. Mais oui, je te la file. Mèche de Nietzsche célèbre.
Bon, voilà. Un épisode supplémentaire, encore une fois. Je suis à 106 000, la moitié. Je vais regarder ce que j'ai récupéré. Bien joué. J'ai entendu toute cette histoire de la bouche même du propriétaire de bain. Imaginez que les Sakai fassent irruption, dans un endroit comme celui-là. C'est étrange, cependant. Ils disent que le chef des Sakai bénéficie de la protection de leurs oiseaux gardiens, les Yatagaratsu, depuis des générations. Il est bizarre qu'il ait été mené si facilement par de simples yokai. Ouais, effectivement, je suis un peu d'accord. Par contre, il nous file... c'est quoi, c'est un sabre? Ah, c'est un sabre. Niveau matos, rien. Non, c'est pas un sabre, effectivement. C'était ce canon. Oh, mais il est moins fort. C'est dommage. Alors, les armées, les armes de guerrier de l'Ouest. Non, je suis pas trop mal stuff là. Non, c'est. Ouais, c'est toujours ce torse que je n'ai pas au niveau des guerriers de l'Ouest. On va regarder ça. Est-ce que je pourrais pas le forger? Salut ma grande. Attends, hop, dialogue. T'as une raquette, très bien. Mis sur pied là, j'ai un coup de la forge. Pas de barbier, réserve supplémentaire. Augmentation du prix de vente. Ouais. Je m'en fous, remis sur les achats. Mis sur les coups de la forge, on va faire ça. Pas hein, faire des armures du Guerrier de l'Ouest encore. Non. C'est bien dommage. Alors, au niveau des ninjas, qu'est-ce que je vais récupérer? Qu'est-ce que je peux récupérer? Ah ah! Augmente la capacité de ninjutsu de 4. Konjutsu 4. J'en ai pas. Il va falloir que j'augmente les missions, la voix du ninja. Ouais, faut vraiment que je le fasse. Pour avoir l'attaque d'armes en mêlée, ok. J'ai pas de quoi m'augmenter un petit peu là, non? Je vais aller voir le sanctuaire, et puis on en aura fini. Il me faut 205 000, je suis à 134.
J'ai combien? 134? Ouais, 205 000, ça... Bof, non, ça va être juste, je pense. Ah, un fusil Sakai, il faut que je garde. Je vais me faire une boulette, là. Si loin, c'est pas très grave, ça sera la prochaine fois. Ok, bah écoutez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, au revoir.